Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Three Kingdoms. On se retrouve pour une bataille. Alors pas la bataille prévue parce que on avait une petite bataille de ce côté-là de défense de ville mais qui était perdue d'avance. Je l'ai faite en off parce que je voulais pas vous imposer 10 minutes de baston. Comme prévu on l'a perdue même si on lui a fait très très mal. Donc c'est pas très grave. Par contre du coup toute la Chine nous en veut. Ici on a Lianzi qui vient essayer de filer un coup de main au siège de je ne sais plus comment il s'appelle, Liu Biu je crois. Donc bah on va lui mettre une tatane, hein. Là cette fois on a une vraie armée en face. Et on va du coup commencer comme prévu par une bataille, même si elle sera sans doute un peu plus épique que celle prévue. Notre volonté de faire traversera toutes les épreuves. Mettons en application ces sages paroles. Donc je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donnés sur la composition des armées. Il faut que je travaille un peu, je voulais travailler un peu en off du coup sur réorganiser tout ça. Sauf que bah, vu que les batailles s'enchaînent, je me suis dit que j'avais quand même voulu montrer. Donc, on verra ça ensemble, je pense. Alors, on est défensif, on est dans la neige. J'ai envie de dire qu'on a une petite endroit sympathiquement défensif ici. Alors, tout le monde en formation dispersée. On a une belle quantité d'archers quand même hein, dans le coin, ça fait bien plaisir. Donc on va se mettre dans ce sens là. Éventuellement on montera peut-être même un petit peu plus par là quand ils auront démarré. Sachant que leurs renforts vont arriver par là. Hein. Donc si on accroche les renforts avant que son armée principale n'arrive, on peut gérer relativement facilement je pense. On va se mettre par ici. Les généraux là. On a énormément de cavalerie dans cette armée. Alors le problème c'est qu'elle va être beaucoup ralentie par la neige pour le coup malheureusement. Mais bon c'est pas grave. Le petit stratège à l'arrière. Et c'est parti. Alors voyons voir. Ouais. Il s'est stacké le plus possible par là. Logique. On va donc essayer de s'appuyer sur cette petite caillasse nous, de notre côté. On va leur demander de courir à ces gens. Donc eux maintenant on sait que c'est des mecs qui sont faits pour la ligne de front, hein, donc on va pas les envoyer à l'autre bout du monde. On va leur demander d'aller là. On va prélever une cavalerie pour l'envoyer par ici. Et l'autre cavalerie, elle va garder le flanc. Et toi tu vas rester comme d'hab. Ici, voilà, c'est parti pour se replacer. De toute façon, il va essayer de faire jonction avec ses renforts. Hein. Ah, c'est sympa, il y a la ville ici. Donc, comme ça, on voit bien qu'ils sortent de la ville. C'est sympa, tiens. Théoriquement, il devrait former une gigantesque ligne de front avec ses renforts. Enfin, gigantesque façon de parler. Hein. Et ça, si je ne m'abuse, c'est l'armée qu'on avait justement repoussée. Que ces généraux sont pleins donc c'est pas sûr mais... Je pensais à l'armée qu'on avait repoussée par miracle justement en défendant la ville lors d'un épisode mais je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu du tout. Donc, il va nous falloir des éclaireurs ici pour être sûr que les mecs ils s'amusent pas à nous contourner. Hein. Même si c'est pas trop le genre de l'IA... Voilà, la neige ça fatigue. Voilà, donc il prépare ses trous pour rentrer les renforts. Les renforts qui courent ou pas? Non, ils se déplacent lentement. Donc il les épuise pas, il a raison. Nous on va faire de même, on n'a pas de raison de s'épuiser. Enfin, sauf les archers qui courent parce que je voulais être sûr qu'ils soient en position, mais on peut leur dire d'arrêter de courir, c'est bon. Ça ne sert à rien. Donc il y a de l'archer, pas mal d'archers, force de cumuler, mais d'assez mauvaise qualité, un peu endommagé en plus de tous les côtés, donc c'est plutôt cool. On a des arbalétriers qui tirent plus loin, on est un peu endommagé aussi, hein, on va pas dire le contraire non plus.
On a des flèches enflammées aussi. On va les sortir, les flèches enflammées. Resserrez un petit peu les rangs, vous. J'aime pas quand ils sont trop en ligne comme ça, là. Bon, bah on va l'attendre, hein. Donc vitesse 3. Donc il se bouge. Ok, il court un peu partout. Ça l'amuse. Nous on est placé ou pas encore? Non, tout le monde n'est pas encore placé. La cavalerie notamment. Alors, ça y est. Il avance. Il fait des trucs. Ouais, enfin, vite fait quoi. Donc là, il a fait un pack avec sa vieille armée. Là, il fait un pack avec ses renforts. C'est quoi, des gardes lanciers quand même? C'est pas non plus de la daube. Ok, il a fait sa grande ligne avec sa cavalerie toute concentrée d'un côté. Normalement, la nôtre avec les deux généraux devrait être largement à même de tenir. Et il avance, c'est parti. Alors, jusqu'où on tire nous? Assez loin. Hein. On est bien en tir à volonté, oui, c'est bon. Donc les troupes qui font chier, c'est eux. Hein. Les gardes lanciers, là, ils vont être difficiles à mettre en déroute. Eux, ils sont déjà quasiment, quasiment morts. Au niveau des généraux, il y a un commandant et une avant-garde. Ok. Il devrait pouvoir gérer, je pense. Alors là, il est parti déjà pour contourner un peu. On peut commencer à avancer avec eux. Il court ou pas? Ouais, il court. Entraîneur, ce qu'est la justice! À l'attaque! À l'attaque! On va faire courir un peu. Ici, on a eux qui tiennent. Là, on va faire contourner un peu avec cela. Allez, ici on va charger un petit peu pour les s'occuper d'eux. Donc il envoie des gardes lanciers par là, ça me convient parfaitement. Ouais, là c'est ce que je craignais là, il s'est placé avec ses archers. Tout en laissant une unité de lanciers pas trop loin. Donc, on va courir. Alors, on va envoyer une unité dessus, celle qui est derrière, elle va continuer son chemin par là. Alors là, faut qu'on commence à avancer par contre. Parce que mine de rien, on galère à courir dans la neige. Hein. Peut-être même un petit peu trop tardé, on va voir. Ici, qu'est-ce que ça donne? Là, ça fuit. Ici, on les rechoppe. Ici, on les rechoppe. Là, on fait demi-tour, on charge cela. Il y a du lancier qui s'approche là. Ouais, ça va être un petit peu tendu. Il me semble qu'on avait des mecs qui pouvaient être en mur de lance, mais on peut pas courir en mur de lance, donc tant pis. Toi, esquive-les. Voilà. Hop, par ici plutôt. Alors ici, comment ça se passe? On pourrait peut-être dégager, là on attaque des gens qui s'enfuient ou pas. Pas encore tout à fait. Ici il y a eux qui s'approchent, qui m'emmerdent un peu, donc on va se dégager. On va faire le tour. Pareil toi, dégage-toi. Alors ici il va falloir que je recule mes archers, j'ai l'impression. Vous et vous là. Reculez un chouïa. Parez au combat! Préparez-vous! Écumé de rage! L'ennemi s'enfuit!
Alors, ici, il faut qu'on se dégage. Donc ici, on va par là, et après, on recharge par là. Ici, pareil, on se dégage, on recharge par là. Donc ils vont vouloir nous poursuivre un peu. Hein. Le but, c'est de s'éloigner de leur lancier. Donc sa cavalerie va me poursuivre, mais... Là, on va charger par ici, puisqu'ils poursuivent mon général. En avant, les gars. Ici, ça se passe comment? On les a neutralisés, c'est parfait. Eux, ils sont tournés dans le bon sens, donc ils tireront sur ce qu'ils veulent tirer. Ici, on va aller au contact de leur général, histoire d'éviter d'arrêter de se prendre des flèches pour que dalle. Ah, c'est un peu relou le gros truc du général là qui cache les ennemis. Voilà, merci, je voulais viser cela. Voilà, ici on leur fait une grosse charge dans la tronche, ça devrait les calmer. Gros tas d'archers là, regardez un peu ce que ça donne. Ils sont tellement compacts que pas réussi à les défoncer. Ah, ici on s'est fait choper. C'est pas grave, le but était de neutraliser les archers, c'est fait. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Tirer là-dessus. Alors, comment ça se passe là? Là, on est en train de poursuivre des gens qui s'enfuient, donc ça ne sert à rien. Repliez-vous là-dessus plutôt. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, en plus il y a le général, donc on va se refermer dessus avec nos lanciers. Là, on est un peu trop près. Pas qu'on se détache. Toi, tire sur cela plutôt. Aux armes, chargez, à l'attaque. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est un peu le gros dawa à l'arrière, hein. L'ennemi s'enfuit. Devant, ça se passe comment devant? Notre infanterie armée de G se pointe en renfort, c'est nickel. Ici, il y a beaucoup de monde. On va ramener le général pour soutenir un peu. Là, on est beaucoup trop nombreux contre eux, là. Ah, il fait demi-tour, lui. Ça sert à rien de leur courir après. Refermez-vous sur les autres là. Ici c'est pareil, on est beaucoup trop nombreux pour que dalle. Là on va faire une petite charge de dos. Toi, par ici. Ici on est 3 sur le général, c'est peut-être un peu trop. Tant qu'il y a que ces cons de lanciers qui se pointent là. Ah, le général a fait demi-tour. Pas con le mec. Guerrier, écoutez-moi. Alors, où sont nos unités? Ici, on a une charge qui est lancée. On va essayer de faire tomber un petit peu le moral avec une petite charge. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils tirent plus. Ouais, y'a personne à porter en même temps. J'ai dû les reculer. Ouais, ils sont épuisés les pauvres. L'ennemi s'enfuit. Alors ici on se refait attraper par des couillons de lanciers. Là c'est brisé, c'est bon. Ici ça devrait être pas mal. Donc toi tu vas devoir faire le tour, aller par là, puis par là. Les lâches. Leur général s'enfuit, c'est parfait. Dégagez-vous un peu des lanciers, on va les faire courir s'il faut. Alors, stop, je vais voir la charge ici. Ah, trop tard. Bon, on est bien dans leur dos quand même. Hein. Mais on est un peu trop fatigué, je pense. Ben, ça a quand même permis de faire céder eux, c'est cool. Vous,
du coup par ici, vu que ça cède, là ça cède, ça cède, ouais ça cède partout, c'est parfait. Bon là eux ils se sont fait charger de dos par le général, du coup ils ont souffert, mais ils s'en sont remis. C'est le principal. Tirez sur eux vous, comme ça ils se reformeront plus. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Parfait, alors là, il nous reste, il faut qu'on profite que eux ont cédé pour se les faire. Là, on va courir après cela. Le stratège, on s'en tamponne un peu, là il y a encore 68 archers. Toi. On a encore un petit peu de munitions, mais ils sont quand même bien fait découper. C'est plutôt cool. Qui c'est? Pourquoi j'ai pas encore gagné? Qui c'est qui résiste? Non, ça doit être une couille dans le calcul. A mon avis, il y a plus grand monde là. Hop, en avant. Ouais, voilà. On est d'accord. Tout le monde a cédé. Bon, les commandants, on va les laisser tomber pour l'instant. Vous continuez de courir parce que vous êtes engagé, mais vous aussi remarquez que vous êtes engagé avec eux. Là, on va continuer de tirer sur eux. Même avec des tirs en cloche, hein, les carreaux d'arbalète, ça fait mal. On a plus de munitions. Préparez vos armes. Toi, faut courir là. Faut me rattraper ces gens. Là ça nettoie, ici on les a rattrapés, ici on les a rattrapés, parfait, ici on les rattrape. C'est la même unité celle-là? Ouais, c'est la même unité. Toi tu ne fais rien. Cours donc après cela, enfin quoique c'est des cavaliers mais... Ça sert pas à forcément à grand chose. Arrêtez-vous, ça sert à rien. On a utilisé toutes nos flèches. Vous en avant, oui. Vous pouvez vous arrêter, c'est bon. On va finir, c'était ici qu'il y avait les plus gros tas, hein, donc on va essayer de leur faire un peu mal. L'idée bien sûr toujours étant que on profite de cette attaque pour que la ville derrière soit la plus vite possible. La milice montée, on la rattrapera pas. Ouais, tout ça c'est mort. Bon bah écoutez, butez-moi le dernier et puis on sera bien. Ouh, 187 gardes lanciers ici toujours. Ouais, ceux-là faut qu'on les finisse par contre. Du coup, on va peut-être envoyer eux filer un coup de main. Là, le capitaine d'infanterie, on les chope. Ici, ils ont réussi à s'enfuir. Essayer de choper quelques-uns par là. Lui il fait le taf quand même, même si c'est pas d'une efficacité folle hein, les stratèges au combat. Bon, ils sont enfuis. Tout de suite. Bon, il reste un combat là qui va se terminer assez vite et surtout ceux-là qu'il faut finir là. Ils sont encore ultra nombreux ceux-là, c'est ouf. Je sais pas pourquoi on galère autant. On est que 60 hein, d'un autre côté, les autres ils sont 180, mais quand même quoi. Et juste à leur donner des coups d'épée, ils tombent. Allez, finissez-les, on vous attend. Combien ils sont, j'arrive pas à le voir. 104 encore, la vache. Toi t'étais pas trop loin je crois. Viens les aider. Stop. Ah, quand on est en vitesse 3, la pause galère tellement à s'arrêter que ça avance en ralenti. Bon, il est loin. Bon, allez, on va s'arrêter là. Victoire de justesse, mais victoire quand même. On était censé avoir une défaite de justesse. On a eu une victoire carrément pas justesse. 847 mecs pour Taishishi, quoi. Pour moi c'est une victoire décisive, hein, parce que là, ils se sont fait défoncer. La ville du coup va être quasiment vide.
Ah, il en reste encore quand même pas mal. Bah, il n'en reste plus personne, ils sont 0 là. Là, ils sont 41. 41, mais ils ont résisté. 37. Et là, il leur reste quoi? Une petite unité de J, les généraux quand même qu'on réussit. On va prendre la reconstitution. Ok, alors. L'Empire des Han rentre en guerre contre Lao Zemen. Donc Maud Matang, il y a des guerres qui se déclenchent. Ah oui, on a perdu un général, bah oui, hein, celui qui était du coup ici, qui s'est fait prendre. On a perdu cette colonie. Et oui, on a Anfu qui nous a déclaré la guerre dans l'intervalle, juste après cette bataille-là. Là. Donc les gens commencent à être un petit peu énervés contre nous, comme je vous l'avais dit. Rendre personnage obtenu, ok. Succession de faction, on a vu. On a une commanderie contestée, ok. Rapport de l'armée, on a perdu une armée, mais c'était que dalle. On a récupéré des Jian jumeaux, hein, ça c'est cool. Ça on a vu. Et on a une embuscade qui a été découverte. Ah oui, c'est vrai que on s'était foutu en embuscade ici là. Pourquoi je m'étais foutu dehors là? Ça m'étonnerait que je me sois mis dehors de ma... pour pas avoir de reconstitution. Impossible. Et donc il y a lui à taper. Allons-y, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc là il a plus de renfort. Mais on devrait quand même pouvoir le terminer assez facilement. Ici on a également une attaque à faire. Et avant faisons un petit point. Il va falloir qu'on essaye de négocier des paix, hein, parce que on est vraiment trop dans le mal. Est-ce que des gens voudraient une paix? Alors... Ah bah non, mais c'est Lianzi, donc eux voudraient des paix, mais alors c'est les deux où je suis vraiment pas fan de l'idée de faire une paix, j'aimerais bien les terminer. Notamment lui, là. Alors, lui, ça m'arrangerait carrément une paix. Moins 80, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui file du blé, que je lui file 1300 par tour pendant 10 tours, que je lui file 14 de bouffe, que je lui file des terres. Ouais, donc non, c'est assez mort. Il n'y a pas moyen. Un petit pack de non-agression. On peut les signer avec des gens. Si nous n'avons pas le choix. Hop, c'est bon. Un accord de non-agression, je sais pas où ils sont, mais au moins on sera tranquille. C'était le risque hein, d'avoir un territoire aussi avancé, c'est que du coup on se retrouve pris par beaucoup de personnes de chaque côté. Ce qui serait intéressant éventuellement, c'est de gagner cette bataille et de vassaliser lui là. Même si bon, il serait pas très utile en tant que vassal, ce sera toujours mieux que de l'avoir comme ennemi, n'est-ce pas? Ouais non, il a plus que ça de toute façon, faut qu'on le finisse. Restez impassible. On a quoi dans cette garnison? Non. On a de quoi tenir contre lui. Tumultueuse érode la pierre. Ouais, on va aller le finir quand même. Frappez vivement. On va la déléguer, c'est bon. Une planification minutieuse assure la victoire. Alors, honnête, perspicard et Quar. Bon, on va t'exécuter. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. On va te libérer nous par contre. Nous ne sommes pas des barbares. Méditez les expériences. Guide vers la sagesse. Hop, et on va du coup commencer à se redéplacer par là-bas. Alors, on a un niveau pour notre ami Kongrong. Commence à avoir un peu tout pris. Hein. Patience. Plus de chances de capturer les ennemis. Augmenter les dégâts subis pendant les sièges. Ah, mais ça, c'est très très bien ça. On va prendre ça direct. Donc là, on reconstitue un petit peu. Parfait. On a un niveau à prendre ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le truc qui fait plus de dégâts pendant les sièges, ça me plaît bien, c'est un détermination, il est pas mauvais en plus. Une affectation supplémentaire, c'est pas trop le thème. Dégâts perforants à distance plus 10% pour l'armée. Oh. Cadence du tir plus 10% quand le personnage commande, ça c'est propre aussi.
Et vu qu'on est parti pour faire beaucoup de sièges, je pense qu'on va prendre ça. Pour la justice. Et là, on va exiger la reddition pour voir et ça passe, nickel. On capture donc cette cité. C'était sa capitale et on a débloqué un étalon noir. Ah, ça c'est classe. Je me retrouve. Toi, est-ce que tu prendrais pas un petit étalon noir? Hop là. Vous arrivez à point nommé, Altesse. Alors, nos Jian doubles là, à qui on pourrait les filer? Donc, pas toi, peut-être toi. Ouais, expertise plus 9, instinct plus 15. Non, c'est plutôt de l'autorité, toi. Nos mecs sont assez contents, ça fait plaisir. En plus, on a pas mal de sous. Ce qui tombe bien parce qu'il va clairement falloir qu'on recrute. Préparez mes quartiers. Dans cette armée-là, il me faudra un stratège et une avant-garde. Alors ici, il y a lui qui est pas content, toujours, puisqu'on combat ses potes. Et on n'arrive vraiment pas à se reconstituer ici, il va falloir qu'on avance hein, un moment. Cette armée ne sert à rien, c'est assez insupportable. On peut pas vraiment se permettre d'avoir des armées qui servent à rien, hein, soyons clairs. Lui se reconstitue pas alors qu'il est pas bien, putain ouais, j'aurais vraiment pas dû prendre cet événement. On va avancer un peu, voir à quoi ça ressemble. On voit pas du tout à quoi ça ressemble. Ici c'est pareil, il est en train de se refaire, ça va pas du tout. Alors, il nous faudrait un stratège avec qui ils s'entendent bien. Toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors t'as un gros régiment, t'as un escroc. Robuste, superstitieux et revanchard. Tu viens de chez Zhang Yang. Ouais, pourquoi pas. Toi t'as quelques archers. Superstitieux, déloyal et patient. Putain, les trucs, les traits de merde quoi. Lui il m'emmerde parce qu'il sent l'espion en fait. Ce mec sent carrément l'espion. Il est pas mal mais il sent carrément l'espion. Bah non, pourquoi il a pu un régiment de fou là? Tout à l'heure il y avait régiment actuel tout plein, ah ça devait être un bug. Bah on va prendre lui du coup. Tant pis, c'est peut-être pas un espion du coup. Allez hop, c'est parti, on te recrute. On va du coup te prendre un truc comme ça, un truc comme ça. Ça coûte une blinde, mais au moins on va commencer à avoir une armée capable d'aller contre-attaquer par là-bas petit à petit. Est-ce qu'on pourrait à tout hasard mettre un général de plus? On pourra mettre toi. T'es aussi une sentinelle, ça me fait un peu chier. C'est un peu dommage. La Chine, c'est le peuple. Ici on a déjà une sentinelle aussi. Là il nous faut un stratège dans cette armée absolument quoi. Lui j'ai bien envie de le renvoyer en fait. Nommer commandant. Le rappeler. Hop, voilà. Et ici il nous faudrait quelqu'un. Donc lui c'était le mec pas ouf. Alors, toi. C'est toi qui as un régiment actuel en fait, je t'ai déjà toi. Toi je t'ai déjà, mais tu coûtes hyper cher parce que t'as beaucoup de troupes. Et des troupes pourries en plus. Alors est-ce que je peux lui demander... Milice armée, milice de sabre, milice d'archer... Ouais, ça sert à rien ces troupes, je peux pas lui demander de les virer là. Non, j'ai pas l'impression que tant qu'il est pas recruté, je peux pas lui virer quoi. C'est un peu triste. Ça veut dire que je peux pas. Enfin, je suis obligé de payer une blinde pour virer ses troupes. C'est quand même un petit peu con. C'est quand même un petit peu con, je trouve.
Dégâts à distance plus 25% il a en plus. Oui, c'est quelqu'un que j'ai recruté celui-là, c'est pour ça qu'il a autant de troupes, mais ils sont pourris ces troupes quoi. Afficher, cacher les trucs détaillés. Ah oui, bon, ok, pas très intéressant. Voir les relations, il en a pas. Bannir une promotion. Le printemps revigore les artistes. Je peux pas faire de clic droit, j'ai pas de bouton qui apparaît pour les virer. Unité générique haut. Ok. tiens, c'est nouveau ça. Ça. Si je me prends quelqu'un d'autre, il y a ça aussi. Groupe armé de H, ouais, non, c'est. Ça doit être un bug, unité générique. Mais bon, bref, le fait est que je ne peux pas le recruter parce qu'il coûte 3 bras. Et que je ne peux pas virer ses troupes, donc je vais devoir le recruter, puis virer ses troupes, et en recruter des nouvelles. C'est franchement relou ça. Est-ce que là je peux pas les virer là? Désactiver. Plus, moins. Ouais, bah ça si vous savez, tiens, à tout hasard, comment faire pour dégager ça, parce que de toute façon à 4500 je vais jamais le recruter pour rien quoi. Si vous savez comment faire pour demander à un mec de licencier ses troupes alors qu'il est pas en mode général, ça m'intéresse très très fortement. Donc du coup cette armée est pas mal affaiblie du coup. On va devoir la rentrer, non, ici on va devoir tenir, ça sera la tête de pont, tant pis, c'est pas grave. En attendant, lui est rentré en guerre contre nous. Ici on a une mission. Pourquoi on a une mission ici? Paix pour le peuple. Atteindre le rang de duc. Détruire les Yuantan. Économie solide. Construire un bâtiment d'administration de colline. Ah oui, il fallait qu'on déplace un personnage là, c'est vrai. Ok, bon. Là on a de quoi tenir si lui nous envoie une armée. S'il nous envoie deux, ça va être un peu plus compliqué, mais on verra à ce moment là. Ici. Ah, faut qu'on répare ici. Qu'on répare, qu'on fasse quelques troupes. Normalement au niveau des armées, il a dû bien douiller. Alors on va regarder en speed. Toi. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça. Alors avant que j'oublie, comment on gère les coordinations militaires dans ce jeu? C'est un vrai plaisir. Coordination de guerre, choisir une cible. Ah, c'est pas mal. Oh putain, Kyo Kyo, il est vraiment puissant. Il est jusque là-bas, quoi. Ouais, tu vas aller là. C'est choisi, là? Non, absolument pas. Choisir une cible. Ok, voilà, parfait. Et lui, négocier. Pourquoi devrions-nous parler ? Coordination de guerre, il est en guerre contre quoi lui? Ah, il est en guerre contre Yuantan avec moi. Pour l'instant, ça m'intéresse pas l'unité de coordination de guerre lui. Maintenant, Lianzi. Encore vous? Une paix. Et on te vassalise. Il serait pour, hein. On va le prendre. Parfois, la sécurité a un prix très élevé. Voilà, ça c'est parfait, du coup on gagne un vassal. On gagne un vassal, bon qui nous pourra peut-être pas trop nous saquer, mais on gagne quand même un vassal et une paix sur ce front là. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant, il faut qu'on l'appelle dans notre guerre. Alors, reviens de nouveau. Sera bref. Donc il peut pas nous saquer hein. Alors on va essayer de se faire un peu plus aimer. On va lui offrir de la nourriture. Oula, non, qu'est-ce que j'ai foutu. Stop. Il n'a pas beaucoup de nourriture, donc on va lui offrir un peu de nourriture. Et on va l'appeler en guerre contre lui. Ou il veut pas. C'est pas grave. On va déjà lui proposer ça. La bonne volonté stabilise les liens. Comme ça, il commencera petit à petit à nous aimer. On peut pas faire d'accord commercial, c'est pas grave. On fera 100.
Ça veut dire que du coup cette armée peut commencer à se déplacer. C'est à peu près sécurisé sur le coin. On peut même aller directement par là d'ailleurs. Sans repos, la volonté s'étiole. Ça c'est plutôt cool. Ici, lui, Kongrong va se débarrasser de Gongzunzan, ça sera fait. Et on va pouvoir commencer à s'occuper un peu de ce front là. Alors, on a toujours bah, lui qui est pas content, mais écoutez, il est pas content. Ah, et on peut prendre une réforme. On peut prendre ça. Plus de revenus du commerce. Influence commerciale, satisfaction pour les stratèges. On a un truc, satisfaction pour les avant-gardes? Non, c'est loin, non? Ouais. C'est pas tout de suite. Revenu de la paysannerie. C'est quoi cette unité? Les dragons d'azur, ok. Et là, on débloque les arbalétriers à répétition lourd. Pff, on voit du rêve. Ils ont une portée toute pourrie. Ils ont peu de munitions. Par contre, ils ont une cadence de tir de taré. Ok, pourquoi pas. Et on débloque les grandes maisons d'hôtes et les grands salons de thé. Ouais. Ah, plus une affectation disponible. Ouais. Non, on n'est pas beaucoup parti dans le militaire. Hein. Faudra falloir qu'on le fasse quand même. Des camps d'entraînement. Allez, on va partir un peu dans le rouge. On a toujours pas pu envoyer notre deuxième espion, hein, je crois. Ouais, on a toujours pas pu l'envoyer. J'aimerais bien l'envoyer chez lui, en fait. Kang Zhang, là. Bon, mais s'il est bien affaibli, ça me paraîtrait quand même plutôt une bonne idée. On n'a pas le blé. Ok, très bien. Passons le tour. Un tour un petit peu long, hein, un épisode. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Il va falloir qu'on aille s'occuper de lui aussi. Tiens, il me semblait qu'il était en train de s'occuper de la ville de Kiao Kiao, lui. C'est pour ça que je lui avais donné ça comme coordination, mais ça a dû partir en couille et il s'est enfui. Alors, des points d'action. Là, on est en garnison, c'est pour ça qu'il nous dit pas qu'il y a des points d'action. Alors, auxiliaire obtenu, cochon d'argile, ok. Des personnes méritantes. Donc, on va tout de suite. Alors, recruter. Non, on va pas recruter dans cette armée-là, puisqu'elle se reconstitue pas. Donc, on va plutôt recruter dans cette armée-là. Donc, lui, il serait pas content, et en plus, il gueule. Le casse-couille, quoi. Bon, les avant-gardes, visiblement, ne s'entendent pas trop avec les sentinelles, hein. Ouais, bah, limite, hein, une deuxième sentinelle, tant pis, hein. Une deuxième sentinelle, on lui prendra de la cavalerie de base, et on aura beaucoup de troupiers, mais on n'aura aucun lancier, c'est un peu chiant. Et lui, sinon, hein, lui, il serait pas mal. Bon, il est cher. Il est cher, mais il serait vraiment pas mal. Yiyu, c'est quelqu'un qui est déjà à nous, ça? Oui, c'est quelqu'un qui est déjà à nous, ça. C'est probablement quelqu'un... Ah non. C'est quelqu'un qui est chez nous depuis longtemps, que j'avais dû renvoyer je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Lui, il serait très intéressant. Bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. On va voir si je peux aller jusqu'ici. Ah, je peux pas l'attaquer direct, malheureusement. Et il est en train de se refaire une armée en plus. Avec un peu de chance, il aura envie de m'attaquer là. Ça me permettra de me le faire, même si nous on n'est pas bien remis. Il faut qu'on avance ici, il faut qu'on prenne des risques, hein. Ça suffit de glander. Ici on avance. Je pense qu'on va essayer de tomber dans le dos par là et de redescendre comme ça. Donc ici on attend un petit peu de recruter. Alors on peut construire des trucs. On a des affectations également disponibles. Lui on pourrait le mettre. Ah bah ça serait intéressant de le mettre par là tiens. Parce que là par contre on va carrément préparer mes quartiers.
Je sais pas si c'est vraiment ça le taux d'incorporation. Total 10% taux d'incorporation, si c'est ça. Donc on va peut-être pouvoir augmenter un peu notre capacité de recrutement avec cette affectation. Puis lui, de toute façon, Eagle est, donc comme ça au moins, Eagle moins. Garde à vous! Toi, est-ce Je que me t'es équipé? retire. T'es absolument pas équipé, toi. On va te filer un partisan. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner de sympa? Un peu plus de ruse, hein. Un peu plus de ruse, un peu plus d'autorité. Et en accessoire, on va te donner ça. Comme ça, tu seras un peu plus content déjà. Est-ce qu'on te recruterait pas pendant qu'on y est? Alors une autre baliste, c'est pas utile, mais des vrais archers. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont de moins que les autres archers? Un peu plus de dégâts en mêlée, un peu plus de munitions. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça c'est quoi déjà? Dégâts à distance, cadence de tir, ok. Ils ont surtout beaucoup plus d'armure en fait. C'est pas forcément fifou quoi. Hein. Et les formations avancées d'archers, je suis pas bien sûr qu'il y en ait des masses. Donc non, on va rester sur de la milice pour l'instant. On s'en prend juste une pour avoir les sous qu'il faut quand même après pour le truc. Alors l'ordre public se casse la gueule, où ça? Ici. Ici, ça se casse la figure. Très très bien. Bureau de poste. Là, il nous faut une réforme. Mouais, mouais, mouais. Bon, on va garder nos sous pour le côté militaire pour l'instant. De toute façon, normalement, on est censé gagner du prestige en capturant des colonies. Hein. Donc normalement, on devrait quand même en gagner un peu, même si c'est pas fifou. Donc l'objectif, c'est de lui prendre, lui, Préparez-vous à partir. Un champion. C'est de lui prendre Yiyu, prochain tour. On lui prend Yiyu. Et après, on aura une vraie armée capable de se déplacer. Et eux, là, est-ce qu'on peut savoir Dites-moi ce combien de qui temps s'est ça dure passé encore, en mon cette connerie? absence. Alors, armée, blablabla, personnel... je peux pas voir les effets Bienvenue, temporaires. Altesse. Une reconstitution moins Je 15 là. réponds à votre appel, Altesse. Ça se trouve c'est juste c'est à cause de la zone mais c'est bien marqué dans effet des généraux. J'ai pas envie de risquer de m'éloigner. Le foyer réjouit le Je vais cœur. quand même essayer de sortir de la zone pour voir. Ah, il se reconstitue s'il est pas dedans. Donc c'est vraiment cette zone là. D'accord. Bon bah du coup Vers la on va rester gloire. juste à la limite. Si jamais on voit des armées se pointer, bah on ira. Ouais, ok, là on va déjà commencer à se refaire un peu plus là. Ça c'est cool. Alors on va jeter un œil à lui, qui est mécontent. La population croît, c'est bon signe. On peut le rappeler, le bannir, le congédier, ouais. Je crois que j'avais donné déjà tout ce que je pouvais de mieux au niveau satisfaction. Hein. Et bah au pire il se rebellera avec son régiment, tant pis. Mort d'un ami, amitié au sein de factions hostiles, ouais bah tant qu'on sera en guerre contre lui, de toute façon il fera la gueule. Hein. C'est un peu le risque de recruter. Hein. Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si jamais vous savez comment... Virer les troupes des personnages sans de vous être obligé de les recruter, quand ils m'appartiennent, hein, bien sûr, pas ceux qui sont candidats. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.